Hey, salut tout le monde, c'est Crazy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une présentation de ce qui est pour moi des indispensables du Airsoft, le kit du débutant. Je ne parle pas de la tenue, mais du matériel de tir et donc des répliques. Et on commence tout de suite par le plus important, le transport de votre matériel. Pour ceci, je vous conseille une pochette, une grande pochette ou un grand sac de sport. Cette pochette, pour ceux que ça intéresse, coûte 25€ sur internet, c'est la marque Swiss Arms. Elle est constituée sur le dessus, comme vous pouvez le voir, de deux petites pochettes pour pouvoir ranger vos accessoires de batterie, chargeur. Ces petites pochettes sont équipées de sangles, vous pouvez donc y glisser par exemple vos bébés loaders ou vos batteries. Et dans celle juste à côté, j'ai rangé mes deux chargeurs de fusil d'assaut. Voilà donc ce qui est pour moi les répliques indispensables en airsoft. Je parle donc d'un fusil à pompe, un pistolet et d'un fusil d'assaut. Pour commencer, je vais vous parler du fusil à pompe. Celui-ci est un monobille, c'est-à-dire qu'il ne tire qu'une seule bille. C'est généralement la réplique la moins coûteuse de votre arsenal puisqu'elle est entièrement mécanique. Il est important d'avoir un fusil à pompe pour des parties au corps à corps ou des parties qui sont uniquement aux pompes et pistolets. Et on passe à la réplique par excellence, l'arme de poing. Vous l'aurez tout le temps sur vous et elle est indispensable quand vous n'avez plus de billes, quand vous jouez au corps à corps ou dans un mode de jeu. En assos, vous devez utiliser le pistolet quand la distance est en dessous de 10 mètres. Plusieurs types de pistolets existent, électriques ou à gaz. Choisissez suivant votre budget, skill et entretien. Chacun a ses avantages. Donc là, on est sur une réplique électrique, voilà, qui peut se mettre en semi-auto et en auto. J'ai un chargeur long, comme on le voit, 90 billes. J'en ai un autre de 30 billes. Ainsi que deux batteries. Vous pouvez naturellement adapter des accessoires sur le haut du pistolet. Et on passe tout de suite à votre réplique principale, votre tour Eiffel à vous, le fusil d'assaut. Donc c'est une réplique de la marque Jingjong, un G36C. Donc ce qu'il vous faut, c'est une réplique fiable, qui tienne la route, qui tire bien, qui tire loin. Vous pouvez naturellement, et je vous invite à le faire, adapter tout type d'accessoires sur votre fusil d'assaut. Vous avez un rail au-dessus, un rail normalement au-dessus, là je l'ai enlevé. Vous pourrez y mettre, et je vous le conseille, un viseur laser, un viseur holographique. Pour ce qui est des chargeurs, là on parle de chargeurs assez conséquents. En l'occurrence, ceux-ci disposent de 370 billes chacun. Il faut donc prévoir quand même une gourde de billes assez conséquente quand vous partez pour la journée ou pour le week-end. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un petit commentaire. Et on se dit à très bientôt. Tchuss! Yeah.